Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Ça fait peut-être 2 semaines que j'ai pas filmé parce qu'en fait toutes les vidéos que vous voyez jusque-là, c'est des vidéos qui ont été filmées au préalable. J'avais trop la flemme de filmer ces derniers temps. Heureusement que j'avais quelques vidéos à vous présenter les lundis et vendredis. Et après, j'ai fait une pause pendant 2 semaines. Je répondais uniquement aux commentaires, messages, etc. Mais je pouvais pas filmer parce que voilà, je me sentais pas très bien. J'avais pas très envie de filmer non plus. Mais aujourd'hui, bizarrement, je me suis réveillée. Le Père Noël a sonné à ma porte et il m'a porté ce gros paquet qui est extrêmement lourd. Et aujourd'hui, je me sens vraiment inspirée. C'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps. Et je vais ouvrir le paquet devant vous. Comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, c'est un swap que j'ai fait avec Nina Beauté, Neyla de la chaîne Nina Beauté. Si vous ne la connaissez pas encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers sa chaîne et vers la vidéo swap pour voir les cadeaux que je lui ai offerts aussi. En tout cas, on a décidé de faire ce swap juste parce qu'on est copines. On s'entend super bien, on a beaucoup de choses en commun, on a presque les mêmes goûts, etc. Et on voulait s'amuser, prendre du plaisir et partager ça avec vous. Donc voilà, on a décidé de s'offrir des cadeaux. On s'est fixé un budget, mais aucune d'entre nous n'a respecté ce budget. C'était un vrai plaisir, un sacré bonheur de choisir, de lui concocter des cadeaux à droite à gauche, de penser tout le temps à ce que j'allais lui offrir, etc. On essayait de se tirer les vers du nez. Essayer de savoir ce qu'elle préfère, ce qu'elle aime, etc. On se posait tout le temps des questions, mais sans se faire griller, etc. Donc voilà, finalement, les colis sont arrivés chez chacune d'entre nous. Et voilà, ce matin, le gros paquet de Nina qui est arrivé, qui est beaucoup plus lourd que celui que je lui ai envoyé. Donc, je vais commencer tout de suite. Donc, voici le matos pour ouvrir le paquet. Donc, je vais commencer tout de suite. C'est fou, mais j'ai l'impression que je suis une gamine de 5 ans à qui on a offert un petit cadeau. Voilà. Hop. On va faire ça comme ça. Super. Voilà. Waouh. En plus, ça sent super bon. Ça sent bon déjà. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a ici. Et elle a fait avec mes couleurs préférées. Du noir avec du doré. Elle est vraiment waouh. Donc, on va commencer avec la petite carte ici. Donc, elle m'a fait, elle m'a écrit un petit mot. Moi aussi, j'ai fait de la même chose. Alors, 1000 bisous sur le côté, voilà ce qu'elle m'a écrit. Elle me dit « Coucou ma chérie, j'espère que ce colis te trouvera en bonne santé ainsi que ta famille. C'est enfin le swap. J'ai adoré préparer ce colis pour toi. J'ai choisi chaque surprise avec mon cœur en espérant que tu aimeras. Notre amitié, bien que toute nouvelle, est sincère et je souhaite qu'elle perdure, c'est comme si on se connaissait depuis toujours. À notre rencontre, Inch'Allah, Neyla. T'es adorable, ma chérie. Franchement, c'est des mots qui me touchent énormément. Et voilà, c'est vrai que notre amitié est toute nouvelle, mais vraiment sincère. Et j'espère qu'elle va durer l'éternité, quoi. Voilà. Donc, à ma chère amie Mouna, voilà ce qu'elle m'a écrit. Alors, je sais pas par où commencer. Je crois qu'elle a numéroté les colis. Mais je vais quand même commencer avec les petits chocolats qu'elle m'a offert ici. Alors ici, c'est des Kinder Chocoban. J'adore les chocolats. Elle sait très bien que j'adore les chocolats. Voilà. Et elle m'a offert aussi une boîte de Ferrero. Elle m'a gavé. Bonjour les kilos. Merci Neyla. C'est vraiment très gentil de ta part. Mais merci quand même pour les kilos que je vais prendre en plus grâce à toi. Ensuite, ici on a les cadeaux. Donc voici les cadeaux. Ah,
accrochez-vous, ça va vraiment vraiment lent. Alors, par où commencer? Franchement, je ne sais pas du tout. Ça, c'est par exemple le numéro 8, le numéro 6. Je vais essayer de déballer. Alors ça, c'est le numéro 1. Et elle m'a dit « No swap with Muslim queens without thinking of the little princess ». Alors, je vais essayer de deviner un petit peu. J'imagine que ça, c'est pour Cyrine, c'est pas pour moi. Je vais ouvrir. Oh là là. Oh là 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 là. Alors ça, c'est quelque chose de chez Sergent Major. Elle va ouvrir tout de suite. Oh mon dieu, fallait pas, franchement. Mon dieu, regardez-moi ça. Alors là, Neila, franchement, il fallait pas vraiment pour la Miss dépenser autant pour un petit cadeau pour Cyrine, franchement. Alors regardez-moi cette très jolie robe. Elle est trop belle avec des petits points. Et elle vient avec ce petit gilet couleur rose pâle. Franchement, elle est magnifique. Merci beaucoup ma chérie. Et je te remercie aussi à la place de Cyrine. Franchement, c'est trop joli et c'est très très beau. Merci. Je sais pas combien de fois je vais dire merci, mais si je vous saoule avec les merci, je suis vraiment désolée, ok? Donc on va passer au cadeau numéro 2. Il est tout en bas. J'aurais dû ouvrir le paquet à l'envers. Alors, le numéro 2, c'est celui-là qui est... C'est marqué pour ton organisation hebdomadaire. Elle sait très bien que je suis dingue de l'organisation, du rangement, etc. Ah, j'adore. Ah, franchement, j'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Alors là, c'est un bloc de 52 menus hebdomadaires à compléter. Et elle sait très bien que je fais des menus chaque semaine. Donc là, j'ai 52 semaines. Ça va durer un an. Franchement, il est juste magnifique. Ça s'accroche ici, je pense. Donc, c'est soit un aimant, soit un truc autocollant. Donc, je vais l'accrocher dans ma cuisine, ça c'est clair. Ah! Voilà, c'est un aimant, donc c'est à aimanter sur le frigo. Et moi, je vais l'aimanter sur le tableau que j'ai dans la cuisine. Il est juste magnifique. Il est vraiment trop beau. Et avec un calepin, un desk planner, qui vient de chez Emma, je pense. Il est juste waouh, parce que j'adore prendre note, j'adore tout mettre en ordre. La veille, etc. J'aime bien prendre note de ce que je veux faire la journée qui suit. Et je te remercie infiniment, ma chérie, d'avoir pensé à un truc comme ça. C'est vraiment génial et très utile. Cadeau numéro 3, je vais pas oublier de compter parce que il y en a tellement. Alors, il est où le 3? Alors ça c'est le numéro 3 et c'est marqué comme la tradition le veut. Ben moi aussi je l'ai fait, j'ai marqué comme la tradition le veut. Ça j'ai deviné c'était quoi. Alors je pense que c'est voilà, mouchoir, savonnette, un truc dans le genre. Parce que voilà, en Algérie, généralement on fait ça quand t'achètes un petit cadeau pour quelqu'un. Mishwara ou sabuna. Et on rigolait de ça, on s'est dit tiens, pourquoi pas le faire. Donc voilà, elle m'a offert une savonnette Dove et un châle aussi qui est juste super beau. Je trouve la couleur qui est sublime. Donc voilà, ça c'est Dove Shea Butter avec du beurre de karité. Ah, ça sent bon, hein. Ça sent vraiment bon. Et le foulard. Oh, le châle est juste magnifique. J'adore, 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 j'adore. C'est une sorte de pied de poule qui est juste trop beau. J'adore la couleur. Tu le verras sur moi très bientôt, ma belle, sur un tuto ou sur une vidéo, parce qu'il est juste magnifique. Il est trop classe. J'adore. Alors, on va passer cadeau numéro 4. Et je crois que je l'ai posé quelque part, par là. Donc voilà, le cadeau numéro 4, c'est marqué « Je l'aime trop, il te le fallait ». Alors ça, je ne sais absolument pas c'est quoi.
J'essaie de deviner, mais franchement, j'y arrive pas du tout. Jusque-là, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est un colis qu'elle a commandé pour moi, mais je sais pas. Je sais vraiment pas c'est quoi. La Cocoa Blend de Zoeva, je la voulais franchement parce que j'avais pris les 4 palettes de chez Zoeva qui viennent ensemble à 60 € je pense, et il n'y avait pas la Cocoa Blend. Et je me suis toujours dit tiens, je vais la prendre ou pas, je vais la prendre ou pas. Et j'étais à deux doigts de la prendre, heureusement, heureusement que je ne l'ai pas prise. Et voilà la Cocoa Blend qui est juste là. Franchement t'es génial hein, chérie, t'arrives à lire dans mes pensées. Et voilà la Cocoa Blend qui est juste sublime, 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 sublime. Je crois qu'on va se faire des vidéos challenge avec le make-up quand c'est offert. Je vais utiliser celle-là, tu vas utiliser la palette que je t'ai offerte. Et voilà, on va faire une petite vidéo challenge pour voir ce que ça donne. Voilà la Cocoa Blend qui est juste magnifique. Je tarderai pas à vous faire un tuto avec parce que j'adore cette palette et je la voulais depuis longtemps. Et ça commence à devenir n'importe quoi ici devant moi, donc je vais essayer de mettre de côté. Alors, le cadeau numéro 5, voilà, c'est marqué « Cette odeur est à tomber ». Alors, c'est soit un coffret, j'imagine que c'est un coffret, mais je n'ai aucune idée c'est quoi. Je suis nulle en devinette. Même là, je sais pas encore c'est quoi. Oh mon dieu, c'est un coffret de chez Yves Rocher. Et ça sent déjà bon. Je jure que ça sent déjà bon. Alors, il y a quoi? Tradition de Hammam. À l'huile d'argan bio du Maroc. Ça sent déjà bon et je sais pas si je vais l'ouvrir. Oh là là, ça me rappelle un savon que j'ai acheté en Turquie. Ça sent super super bon. Et ça c'est quoi ça? Ça c'est un exfoliant. Et ça c'est quoi? Ça c'est un masque à l'argile et ça je pense que c'est un savon à l'argile tradition de Hammam. Voilà, on va tester, je vais dire plus tard ce que j'en pense, mais ça a l'air, franchement ça a l'air super, déjà c'est joli et ça sent très 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 bon, donc merci ma chérie. Ça c'était le cadeau numéro 5. Après pour le cadeau numéro 6, c'est marqué pour tes routines jour et nuit. C'est Adam qui a fait le paquet, lol. Oh là là. Ah, c'est marrant parce que le paquet il fait n'importe quoi, mais t'inquiète pas, moi les paquets que je t'ai fait, c'est moi qui les ai fait, c'est pas Cyrine, mais celui-là est bien meilleur. Hein. Donc voilà, on va ouvrir pour la routine matin et soir. Alors ça c'est de l'huile d'argan, elle sait très bien que je m'hydrate le visage avec de l'huile d'argan. Utilisée depuis des siècles par les femmes berbères, cette huile peut être utilisée dans vos plantes aussi bien qu'en application sur le visage. Merci ma chérie. Et si j'aime bien, tu vas me racheter encore la prochaine fois parce que je ne veux plus commander sur iHerb. Et celui-là, c'est l'huile de coco qui est bio. Franchement, merci beaucoup ma chérie. C'est des choses que j'utilise quotidiennement et j'en ai jamais assez. Ça va vraiment m'être utile et si c'est fini, bah, je te recontacterai pour que tu m'envoies encore. Merci ma belle. Ok, ça c'était les 6 premiers cadeaux. On les met encore très loin de la fin. Alors, le cadeau numéro 7, c'est marqué de la couleur pour le printemps. Je sais vraiment pas c'est quoi. Peut-être vernis à ongles, je dirais. Et voilà, je me suis pas trompée. Ce sont deux vernis à ongles de la marque Essie. Et c'est vraiment de très belles couleurs. Ah, j'adore les couleurs, franchement. Déjà, c'est une marque que j'ai jamais testée.
Et puis c'est une marque qui coûte cher aussi. Mais c'est des couleurs-là que je vais sûrement porter pendant le printemps et l'été. J'adore. Je vais essayer de swatcher une, pourquoi pas. Ah franchement j'adore, la couleur est juste magnifique. J'aime beaucoup cette couleur-là. Je sais pas si ça se voit ou pas, mais vous le verrez sûrement sur moi dans pas longtemps. Alors là j'étais au cadeau numéro 7. J'ai essayé de mettre les cadeaux de côté parce que... Ça, c'était les premiers 7 cadeaux. On va passer au cadeau numéro 8. Il est où le 8, le 8, le 8, le 8? Bon, ça, c'est le 16. Ça, c'est le 9. J'en aurais besoin. 12. 13. Il est où le 8? Il est où le 8? Ça, c'est le numéro 8. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué, c'est un de mes préférés. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Ok. Le mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Je ne l'ai jamais testé. Je vais tester et je vais dire ce que j'en pense. Mais je vais quand même le déballer. Je vais ouvrir pour voir à la voix ça ressemble à quoi. Et si j'aime bien, bah... Il est où le mascara? Donc voilà, je disais, il y a ma batterie qui m'a lâchée, donc j'ai changé, j'ai mis la deuxième batterie. Donc voilà, c'est ça le mascara de chez Yves Rocher. J'ai jamais testé leur mascara. Et franchement, la brosse, on a l'impression qu'elle donne beaucoup de volume. Donc je testerai. Et je te tiendrai au courant dans pas longtemps. Si j'aime bien, bah, je citerai dans mes favoris du mois. Voilà. Merci beaucoup ma chérie. Cadeau numéro 9, c'est pas fini. Alors, je ne pouvais pas résister, sorry. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh my God, j'y crois pas. Alors c'est Love Flush de Too Faced, je la voulais et elle m'a dit non ne prends pas, ne prends pas, ne prends pas, elle m'a dit ne prends pas et je me suis dit tiens elle veut l'acheter ou c'est quoi le délire? Et voilà, je la voulais vraiment parce qu'en fait j'avais loupé la, celle de Tarte Cosmetics. Après quand j'ai vu celle-là, je trouvais qu'il y avait plein de blushs et que ça pouvait être vraiment pratique, ça m'éviterait d'acheter plusieurs blushs différents. Elle est juste à tomber, elle est magnifique. Oh mon Dieu. Je te remercie infiniment ma belle, elle est sublime. Alors on a 6 blushs ici. J'ai plus mes mots, je trouve plus mes mots, sérieux. C'est des couleurs que, voilà, je les voulais tellement depuis très longtemps. Et voilà, ça m'épargnera d'acheter des blushs. Des couleurs vraiment, vraiment magnifiques. Je vais swatcher pour vous une couleur ou deux. Par exemple, Baby Love, c'est une couleur qui est vraiment très très belle. Mon Dieu, la pigmentation. Waouh. How deep is your love? Voilà, voilà. J'adore. Franchement, c'est magnifique ce que tu m'as offert. J'ai pas fait peut-être 10% de... J'ai l'impression que je t'ai offert rien du tout par rapport à ce que tu viens de m'offrir là. C'est juste magnifique, c'est un plaisir d'ouvrir tes cadeaux, franchement, le vrai Père Noël. Alors ça c'était le numéro 9, donc je vais voir le numéro 10 qui est ici. Alors, il est où le 10, il est où le 10? À glisser dans ton sac à main. Alors là, c'est une crème pour les mains, vanille épicée de chez Yves Rocher. Mon Dieu, ce qu'elles sont bonnes. Oh my God. Oh my God.
Elles sont très bonnes. Moi, j'adore les parfums épicés comme ça. J'aime bien que c'est épicé ou c'est boisé. J'aime énormément. Et ça, c'est des papiers matifiants rafraîchissants de la marque NYX. Elle sait très bien que j'aime bien les papiers matifiants. J'avais ceux de ELF. Et voilà, je vais pouvoir tester ceux de NYX. Donc, je te remercie infiniment. C'est toujours utile, surtout pour quelqu'un comme moi qui a la peau grasse, surtout la zone T qui est très grasse. Avec le printemps et l'été qui approche, ça va vraiment m'être utile. Merci, ma chérie. Donc, ça, c'était le cadeau numéro 10. On va chercher le numéro 11. J'espère qu'elles te plairont. C'est un petit truc tout minuscule. Et je ne sais vraiment pas c'est quoi. Ah, c'est des petites boucles d'oreilles. Elles sont trop belles. Waouh. Voilà comment elles sentent. Et moi, même si je suis voilée, j'ai un faible pour les boucles d'oreilles, j'adore. Elles sont trop, trop, trop jolies. Et c'est de la marque... Attendez. Je les avais à l'envers, donc comme je suis débile. Voilà. Alors, je vous les montre. Comment elles sentent. Elles sentent juste... Waouh. J'aime bien ce style et je ne l'avais pas. C'est les trucs qu'on accroche derrière, voilà. Et... je les trouve vraiment, vraiment très, très, très jolies. Donc, merci ma puce. Ça, c'était le 11. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, je vais continuer avec le numéro 12. Le numéro 12, c'est marqué pour tes instants cocooning. Pour mes instants cocooning. Ah, c'est des produits de la marque Lush pour le bain. J'ai jamais testé cette marque et je la voulais depuis longtemps. J'entends les filles en parler et je voulais vraiment vraiment tester. Franchement, j'ai l'impression, Nina, que tu es dans ma tête, que tu lis dans mes pensées. Alors, elle m'a offert trois produits: Fighting Animals Testing. Alors, là aussi, il y a une petite boule. C'est des cosmétiques faits à la main. Je vais tester et je vous en parlerai très très prochainement dans une vidéo. Parce que c'est quelque chose que je voulais tester absolument. Et voilà, je ne savais pas déjà où l'acheter, etc. Et voilà, quand c'est là, c'est là. Je trouve plus mes mots, franchement. T'es vraiment folle. T'es vraiment, non mais vraiment folle. C'est quelque chose que... Comment tu sais que je le voulais? Non, sérieux, comment tu sais que je voulais ça? C'est dingue. Donc voilà. Je vais passer au numéro 13. Alors, c'est marqué, cette couleur t'ira à ravir. Je ne sais pas. Alors, c'est soit un rouge à lèvres, soit un gloss. Forcément, si c'est marqué, cette couleur te va à ravir, c'est forcément ça. Alors, c'est un... c'est un rouge à lèvres liquide, un gloss de chez Dior. Est-ce très bien que j'aime bien les Dior. C'est le Dior Addict Fluid Stick. Et c'est une couleur qui est juste magnifique. C'est une couleur de printemps. Une sorte de corail. Je vais swatcher ça ici. Mon Dieu, comme elle est belle. Regardez-moi ça. Il est vraiment trop, trop, trop beau. Merci beaucoup, ma chérie. C'est super gentil de ta part. Je sais plus où j'en étais. Alors, ça, c'était le numéro 13. Le numéro 14. Il me semble que tu les collectionnes. Qu'est-ce que je collectionne, moi? Je sais pas. Il me semble que tu les collectionnes. Alors, qu'est-ce que je pourrais collectionner? C'est vrai, je collectionne les porte-clés. J'ai plus de porte-clés que les clés. Que les clés de la maison.
Il est trop beau, il est vraiment trop chic et trop classe. Et je pense qu'il trouvera bien sa place dans ma collection. Il est juste magnifique. Waouh! Je sais pas d'où tu l'as eu, mais franchement, j'ai jamais vu une merveille comme celle-là. Il est vraiment très 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 classe celui-là, hein. Ça fait un petit peu Coco Chanel, Coco Mademoiselle Chanel sur le parfum, un truc comme ça. J'aime beaucoup. Franchement, il est vraiment trop 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 classe. Merci, merci, merci infiniment. Voilà, c'était le numéro 14. Il est où le 15? Par pitié, il est où le 15? Donc voilà, le 15 est marqué. 2 de plus pour ta collection. Qu'est-ce que je collectionne encore? Je sais pas. Je vais voir. Ah! C'est deux vernis à ongles encore dans ma collection. Et cette fois-ci, c'est de la marque OPI. C'est une magnifique marque. Franchement, tu m'as offert les meilleurs vernis à ongles du monde. La marque Essie et la marque OPI. Moi, je t'ai offert un truc pourri, je suis désolée. Voilà. Ce sont de très belles couleurs que je pense porter ces jours-ci. Surtout, celle-là, vraiment, elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ces couleurs-là, les couleurs d'automne. Celle-là, ça va, ça pourrait passer aussi pendant le printemps, pourquoi pas. Et celle-là, elle fait vraiment très très chic. J'aime beaucoup les couleurs comme ça. Assez que les couleurs comme ça, c'est mes préférées. Donc voilà, ça c'est le numéro 15. Et ça c'est le numéro 16. Et c'est marqué, tu penseras à moi en voyant la tour Eiffel. Je sais pas c'est quoi. Aucune idée. Mais déjà quand je dis Paris, je pense directement à toi. Parce que j'ai vraiment envie de venir et te voir. Mais je crois que c'est toi qui viendras en premier. Voilà. Alors. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, j'adore moi les trucs comme ça. Oh là là, j'adore, 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 j'adore. En plus, ça va super bien avec, si je ne me trompe pas, un set de table. C'est des dessous de couvert. Et j'aime beaucoup. C'est dans les couleurs de mon salon déjà, parce que cette couleur-là, ça fait vraiment les couleurs de mon salon. Et des chaises aussi, de ma salle à manger. Et ça fait vraiment super classe. Bah, quand tu viendras, ma chérie, tu seras servie sur des trucs comme ça. J'aime énormément. Et elle m'en a offert 8. Donc voilà, je pense qu'il y a 8, hein, si je ne me trompe pas. Peut-être 6. Je vais toutes les ouvrir pour voir. Voilà, je ne vais pas me casser la tête à deviner, mais je vais quand même toutes les ouvrir. Pour voir ce que ça donne. Ah, il y a 6. Et celle-là, c'est un tablier. Celui-ci, c'est un tablier. Et j'adore les tabliers, franchement. Et j'adore les tabliers parce que franchement, mon mari a été en Corée du Sud. Quand il est revenu, il m'a ramené un tablier de cuisine. Il sait que j'aime bien. Et celui-là est vraiment trop beau. Bah, je les laisserai pour les occasions spéciales. Quand j'ai des invités, bah, je servirai. Voilà, je ferai le service avec en portant ce tablier-là qui est juste trop trop beau. Merci beaucoup, ma puce. T'es vraiment, vraiment, vraiment folle. T'es plus folle que moi. Je m'attendais pas à trouver quelqu'un de plus malade que moi. Mais voilà, finalement, je l'ai trouvé. Et tu m'as fait oublier le numéro du cadeau. Je ne sais plus où on était. T'es vraiment dingue. Non mais dingue de chez dingue. Attends. Je pense que j'étais au numéro 18. Il y a tellement de belles choses. Il y a tellement de choses devant moi que je sais plus où j'en étais. Je pense que c'était le numéro 16. Alors je vais essayer de tout mettre de côté. Oui, je pense que c'était le numéro 16. Alors là, j'ai le numéro 17 et c'est marqué pour aller avec ta palette. Alors le make-up, hein, tu m'en as offert. Je crois que je n'ai pas acheté du make-up pendant très 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 longtemps. C'est un rouge à lèvres de la marque Urban Decay de la collection Gwen Stefani. Et c'est vrai que je le voulais, mais bon, question de budget, je me suis dit tiens, j'ai trop dépensé et je ne vais plus acheter du maquillage. Mais comme j'ai une adorable copine, une adorable amie comme Nina, donc voilà, elle m'a offert ce rouge à lèvres là. Qui est le Spiderweb.
Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je l'imagine déjà sur moi. Je vais le swatcher pour vous. J'ai l'impression que c'est une vidéo swatch make-up. Mais celui-là est juste... waouh. La pigmentation, alors je vous le dis même pas. Oh my god. Il est trop beau. Et voilà, j'espère que la palette te plaira aussi. On est deux maintenant à la voir, je suis pas la seule. J'aurais dû penser au rouge à lèvres aussi, mais bon, ça sera peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, je te remercie ma chère pour ce magnifique cadeau. Qui était le numéro 17. Et on va chercher le numéro 18. Il est où? Il est où? Il est où? Alors, il est juste là, qui est marqué « Je ne peux plus m'en passer matin et soir ». Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bioderma. Solution micellaire démaquillante. Peau sensible très sèche, sans parabènes, sans rinçage, hypoallergénique. Visage et yeux. Et c'est une énorme bouteille qui va durer vraiment très longtemps. Donc je vais tester. Tu m'avais expliqué, tu m'avais pas dit c'était quoi, mais d'après ce que j'ai compris, tu parlais de ça. Que même si c'est marqué peau sensible très sèche, ça va pour les peaux grasses. J'ai une peau normale à mixte et le contour des yeux est toujours sec. Je pense que ça ira. Je vais le tester et je vais t'en dire plus sur ce que je pense. Mais franchement, c'est une énorme bouteille et ça va vraiment m'être utile. Je te remercie énormément, ma puce, pour ce partage et pour ce swap qu'on a appelé. J'ai oublié de vous dire que le swap, on l'a appelé swap nos coups de cœur. Parce que tout ce qu'on a offert, c'est des coups de cœur ou c'est des choses qu'on aime beaucoup ou qu'on aime utiliser quotidiennement, etc. Donc voilà. Ça, c'était le numéro 18. Il reste deux cadeaux, vraiment très excitée d'ouvrir les deux derniers. J'ai l'impression que j'ai jamais parlé autant dans une vidéo. Alors, numéro 19, c'est marqué jamais 2 sans 3. Jamais 2 sans 3. Qu'est-ce que ça pourrait être? J'arrive pas à deviner. Franchement, je... Oh non mais t'es folle! Non mais t'es vraiment, non mais vraiment folle. Elle m'a offert la chocolate bonbon. T'es folle, non mais t'es vraiment dingue. Tu t'es fait ruiner pour ce swap ou c'est quoi le délire? Oh mon Dieu. En plus je l'ai pas, j'ai les deux chocolate bar, la semi-suite et la chocolate bar, l'original. Et j'ai pas celle-là et je voulais la prendre ce mois-ci. Et elle me l'a offert parce que j'ai vu tellement de tutos avec cette palette qu'elle a l'air vraiment super. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Nina, t'es vraiment malade. Et moi, je t'ai offert une seule palette. Je m'en veux énormément. Comme on dit, t'inquiète, sois sûre. Hein. Elle est malade, cette fille. C'est une folle. C'est vraiment une folle, cette fille-là. Merci ma chérie. Je sais pas, peu importe ce que je t'ai offert, ça arrive même pas à faire les 10% de ce que tu m'as offert. Je me sens nulle, je me sens tellement nulle. Franchement, je te remercie énormément. Fallait pas dépenser autant pour le swap, pour les cadeaux que tu m'as offert. Mais voilà, comme tu l'as fait, je suis vraiment, vraiment touchée. Je sais plus quoi dire, je trouve plus mes mots. Magnifique cadeau que tu m'as offert, je m'attendais pas du tout à ce que tu m'offres des trucs aussi beaux et qui coûtent aussi cher. Merci beaucoup ma chérie. Franchement, t'es adorable, t'es magnifique. Et sois sûre que quand tu viendras ici aussi chez moi, tu seras vraiment, vraiment gâtée. Donc, je t'attends avec impatience. Il faut juste, me dire, voilà, je viens tel jour. Et voilà, tu seras accueillie comme une reine. Et tu manqueras de rien du tout. Toi, ta famille, vous êtes les bienvenus. Ça me fera énormément plaisir de te voir ici chez moi et qu'on sorte faire les boutiques ensemble pour faire du shopping ensemble, etc. Donc le dernier cadeau, c'est marqué pour une amitié qui, Inch'Allah, perdurera. C'est le numéro 20. Donc on va voir. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Alors, c'est marqué ici
piège de cristal. Des bijoux. Le sac est trop beau et le petit sac est vraiment trop beau. J'adore cette couleur, le doré. Oh my god. Sois sûre, ma belle, que cette chaîne-là ne va pas me quitter. C'est vraiment très 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 touchant. C'est le pendentif Infinity. Et c'est avec du cristal. Et j'imagine que... je pense que ça, c'est de l'argent parce que c'est poinçonné. Et franchement, ça fait très classe, très chic. Et c'est quelque chose que je porterai tous les jours. Je ne vais pas l'enlever parce que sa valeur morale représente beaucoup. Ça a une valeur... Ça représente beaucoup de choses pour moi, voilà. C'est une amitié qui va durer, Inch'Allah, bien sûr. À l'infini, voilà. Je suis vraiment, vraiment touchée par tes cadeaux. Tu as des idées qui sont vraiment incroyables. Je te remercie du fond du cœur. Et voilà, sache que ce premier swap, c'est pas le dernier. C'est pas forcément pour faire des swaps, mais moi, c'est clair, de mon côté, je t'enverrai plein de cadeaux chaque fois que je peux. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Comme on dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit « Tahadu tahabu », il faut s'offrir des cadeaux pour... voilà, pour s'aimer. Je trouve que l'amitié entre nous, ça commence déjà bien et ça va durer, Inch'Allah, très 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 longtemps. Les cadeaux que tu m'as offerts sont vraiment touchants. Je suis émue, je trouve plus quoi dire. Je crois que je vais m'arrêter là. Je te fais plein de gros bisous. Inch'Allah, ce ne sera pas la dernière collaboration qu'on va faire ensemble. Il y en aura plusieurs, il y en aura plein. Sinon, les filles, si vous avez aimé le swap, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller voir ce que je lui ai offert. Même si c'est nul, n'hésitez pas à le dire. Je vous fais plein de gros bisous pour celles qui regardent. Et voilà, j'ai juste envie de dire aux filles qui me regardent, voilà, si vous voulez nouer de nouvelles amitiés avec d'autres filles, si vous avez des copines, n'hésitez pas à leur offrir, peu importe, mais franchement les cadeaux c'est quelque chose de magnifique. Je pense que offrir ça donne beaucoup plus de plaisir et de bonheur que de recevoir. Essayez et vous allez voir par vous-même. Sinon je vous fais plein de gros bisous. Et à très bientôt. Ciao.